Décidément, le temps passe très vite avec vous, messieurs, puisque nous en sommes déjà à la deuxième moitié de l'année 2018. Et non, je ne montrerai pas le bouquin, euh, bah, Rodolphe. Ouais, avec les petits trucs alors, et bleus bon, qui s'en vos... partout. Ceux qui ont raté les épisodes précédents, c'est que jusqu'à présent, chaque fois que je montre le bouquin, on voit <laughs> les petits post Et Rodolphe, de, de rappeler que non, hein, l'album, ah, voilà. il, il se vend sans les, les post it collants Donc, nous en sommes à mai, euh, nous en sommes à mai, juin, juillet, Donald Trump extraordinaire personnage. Alors là, c'est un ah, plaisir pour euh, les dessinateurs. Hein. Euh, Trump. Euh, non. Non. À ah, En fait, de moins en moins parce que c'est euh, tellement gros, euh, tellement évident, c'est ça. C'est trop caricatural. Il est trop caricatural. Il, il est trop euh, caricatural. lui-même, quoi, c'est ouais. ça. Ouais, c'est un Sarkozy euh, américain, quoi. C'est vraiment le, le... c'est vraiment difficile pour un dessinateur parce que finalement, hop, tu dessines Trump, ça y est, c'est déjà drôle. Voilà. C'est ça. C'est un problème. Ça ça m'empêche euh, voilà. pas de le faire. Bon, oui. Bon, voilà. quand même pas Et... s'empêcher se, de le faire, mais euh, c'est vrai que c'est presque trop caricatural. Et euh, ouais. Large, hein, par exemple, regardez ce, ce dessin de Marc Large qui a sélectionné, un, un très vieil Homo sapiens se trouvé en, en Israël. Et euh, voilà, regardez la réaction de, de, de Trump qui demande si c'est un Israélien ou un Palestinien. Donc euh, bon, c'est vrai que ça en, ça en dit long. Et puis vous, Herbst, vous avez fait un dessin sur euh, le lexique de Trump. ouais euh, attaque pan, en pan, Iran, boum boum badaboum et euh, Trump qui dit ça m'épuise la diplomatie voilà c'est ouais là, mais c'est résumé là c'est un peu un résumé de c'est un peu un résumé de ce qu'il est quoi enfin, je veux dire c'est euh, ouais. mais euh, c'est vrai que au fur et à mesure plus le temps avance moins quand même envie de le dessiner ouais. Ouais. il agace presque c'est un peu toujours la même chose non c'est ouais. ça ouais. bah ouais, bah, ouais un peu en fait tu, 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 tu cherches un dictionnaire de à chaque fois parce que je pense qu'il est je pense qu'il est il, il est pas il, il est pas hyper passionnant politiquement parlant et c'est vrai que c'est c'est dommage parce non, que c'est pas c passionnant un... mais ces ces décisions sont passionnantes ah c'est passionnant c'est passionnantes, parce que vu les conséquences ouais, <laughs> c'est pour tweet, euh, de la passion de choses mais euh, voilà non ouais. non c'est vrai que non le personnage le personnage est trop caricatural enfin, il y a ouais. des et Trump il que... fait réagir à l'électeur ou pas il ah, y a un vrai ah ouais. rejet quoi il y a un vrai rejet de Trump parce que je pense que ah, on n'est pas dans la même culture les électeurs raison mais il y a il y a un vrai rejet quoi je je, moi, j'ai quelques, quelques, quelques mots comme ça que j'ai pris au hasard. Euh, euh euh, notamment euh, d'un lecteur de pau qui nous dit euh, Trump à la Maison Blanche, c'est l'arrivée d'un psychopathe. Il est très capable d'inventer des initiatives pour en devenir la troisième guerre mondiale. Et puis, mais et à la fois un rejet, mais un rejet de plein d'inquiétude quoi. Il Alors, fait un peu peur. Euh, c'est bien, hein, peu hein. euh, ouais. bien de le prendre parce qu'après tout, les, toutes les choses passent, y compris euh, Trump. Si on bien croire que c'est une chose, mais euh, c'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude pour les lecteurs dans l'écrit, pour les dessinateurs, un sujet d'humour quand même, mais. Euh, euh, non, il y, 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 y a peu de... Moi, je n'ai me pas le souvenir de, 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 de gens qui soutiennent euh, d'une manière générale la diplomatie, ou en tout cas la politique de Trump. Quoi. Bon, la diplomatie, on ne sait même plus la diplomatie à ce niveau-là. Hein. C'est pas un autre donc, mot, plutôt C'est <laughs> que... <laughs> plus, plus vrai, il n'est plus très diplomate, en fait, euh, Donald. Euh, donc, suite de... des dessins, donc... De Rodolphe Urbs et de Marc Large, avec celui de, de, de Large, le 30 mai et les tontons Finger. Alors là, ce, celui-là est assez étonnant, souvenez-vous, hein, de, de ce film, les tontons Finger extraordinaire. Et puis, euh, on a Wurtz euh, entre euh, Balkany et Sarkozy qui dit T'inquiète pas, regarde-nous où on en est. Enfin, grosso modo. Ouais. Bon, on, 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 on essaie justement, quand on tape sur la droite, de taper autant sur la gauche. Est-ce que. Ah ouais, quand même, ouais. On, on essaie quand même d'avoir un, un recul bah, sur. Taper euh, sur la gauche, il faudrait qu'elle existe déjà. Hein. Et euh, ça, <c c oui, déjà voilà, ça problème, taper dit Taper sur la droite, c'est peut-être plus simple, parce il y en a un peu plus. Ouais. Quand même, mais c'est vrai que non, il n'y a pas de. Enfin, ni, 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 ni Marc, ni moi, enfin, on ne peut pas nous soupçonner véritablement de favoriser un camp plus que l'autre. Euh, c'est vrai que bon maintenant euh, Macron, euh, comme on ne sait plus trop où c'est, euh, on tape tout azimut, mais c'est vrai qu'on a toujours, euh, je pense qu'on a toujours été... Euh à la, fois, euh, à la fois sévère euh, sur la droite et sur la gauche. Quoi. Oui, il ouais. y, y, euh, y a quelques. Je vais le remontrer encore parce que j'adore être ridicule. Il euh, y, y a effectivement quelques, quelques dessins plutôt, plutôt ouais. pas mal sur Hollande aussi, dans cet album. Il méritait quand même. Il mérite encore même, je pense. Il ouais, y a une euh, question ouais, ouais. que j'aimerais poser à Rodolphe est-ce est que tu, tu as euh, Marc, le, le, le syndrome de la feuille blanche Est-ce que ça arrive J'ai pas le choix. Que... Non, j'ai pas le choix. Donc je suis obligé de rendre quelque chose à 20h30. Donc euh, le mais syndrome c'est pas, pas forcément le dessin que tu aurais souhaité. Et le lendemain par exemple tu te dis tu aurais pu mieux faire ou j'aurais pu faire autre chose ou avec le recul ou avec le Ouais, sur certains ouais, sur certains je me dis j'aurais pu mieux faire quand on parler de dessins qu'on regrette, euh, dessins je regrette c'est parfois des dessins je regrette d'avoir vu publier parce que j'aurais je me dis que j'aurais pu faire plus voilà, plus méchant, plus, plus méchant. Ouais. ouais, plus méchant mais c'est mais c'est vrai que le, le, le syndrome de la feuille blanche non, d'abord vraiment c'est une question d'obligation, on n'a pas le choix. Voilà. 20h30 hein la, la deadline. Ouais. Ben, ouais 21h euh, allez. Euh, mmh. Non on va dire 20h hein, plutôt entre ah ouais. 20h et 21h quoi. Voilà. Je dis 20h30 c'est parce que c'est vraiment. Oui ouais. là il se fâche avec les, la rédaction là, ouais, et, ouais. <laughs> 21h on se fâche ouais. Non, non <laughs> mais euh, on se fait fâcher. Mais non non c'est après euh, non euh, le, 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 le fait de se dire ouais j'aurais pu être plus méchant ça ça arrive. Ouais. Ouais, ouais. Il, y a un, il y a un dessin. Euh... Assez étonnant parce que vous commentez aussi bien l'info nationale, internationale que locale. Oui. Il, y a, il y a ce dessin, la garde alternée chez les républicains, où on a Alain Juppé qui, qui a Virginie Galmel sur téléphone et qui lui dit comment ça tu rentres la semaine et le week-end avec Alain Juppé qui fait une tête absolument hallucinante. C'est un dessin qui a fait réagir, apparemment. Oui, quelqu'un des républicains m'a appelé pour me, dire, pour me dire en fait le problème c'est que tu as raison. Voilà. Euh... <laughs> ouais, C'est que c'était... C'est qu'ils ne s'attendaient pas, mais moi je... Comme je pense qu'on qu a fait chez les Républicains. Hein. Je pense que l'analyse, le fait qu'on analyse l'information et qu'on puisse en ressortir indécent, c'est souvent faire un résumé de la situation. j'ai pas eu l'impression de, de découvrir le Graal en faisant ce résumé, mais c'est vrai je pensais pas que on, ça tomberait si juste. Il y donc, a grosso hein. modo trois cases. Hein, c'est l'équivalent ouais. de, 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 de trois cases où on, on voit se décomposer au fur et à mesure euh, à, à Alain Juppé, qui visiblement n'est pas forcément tout à fait ravi de voir voyager Calmel et Je suis pas persuadé qu'il était très ravi non, non. non hein. à, à Alain Juppé, la politique locale, j'imagine les lecteurs en parlent aussi beaucoup, hein, évidemment. Oui, ils en parlent beaucoup, mais euh, j'allais dire moins que. Bon, ils en parlent au, au quotidien, euh, sur des décisions, le, le local, etc. Mais. Euh, il y a moins d'humour quand même, il se lâche moins, j'allais dire, que sur des, des euh, sur des sujets nationaux ou internationaux quoi. Bon, euh, euh, c'est pas. Et puis euh, durant cette euh, cette période de juin là, logiquement, il y a, il y a aussi toute l'affaire. Souvenez-vous de l'Aquarius, il y a eu un dessin de, de Marc Lerge où on voit Emmanuel Macron demander à Hein, euh, Spider-Man, mais le, le Spider-Man euh, noir. Euh, allons, venez vous asseoir. Coulon n'est pas par là. On voit le gars accroché au plafond, qui visiblement n'est pas très pressé d'avoir euh, la, tête, la tête à l'endroit et, et, et les pieds sur terre, autrement dit en, en France. Et puis il y a une autre affaire qui a fait un petit peu euh, polémique. C'est la, la fameuse euh, piscine euh, de euh, d'Emmanuel euh, Macron euh, du côté du phare du Brégançon. Et puis là, il y a aussi une photo. Euh, un dessin de, de Marc Large où on voit euh, euh, Emmanuel Macron euh, qui marche sur l'eau, l'eau de, de sa piscine. Euh, voilà, donc euh, ces dessins, euh, que ce soit celui-là ou d'autres, vous les retrouvez quotidiennement dans le quotidien euh, sud-ouest. Et bientôt, nous allons fêter le dernier, là, le dernier quart euh, de, euh, cette, euh, de cette année 2018, vu par Large, Urps et consorts.